Le patron d'Apple face au Sénat américain. Une commission d'enquête reproche au groupe des arrangements fiscaux loin de son siège californien pour échapper à l'impôt. En jeu, plusieurs dizaines de milliards de dollars de revenus escamotés, ce que l'intéressé dément, les yeux dans les yeux. Nous payons tous nos impôts jusqu'au moindre dollar. Nous n'utilisons pas d'artifices fiscaux. Nous ne déplaçons pas dans des paradis fiscaux de la propriété intellectuelle utilisée pour vendre nos produits aux États-Unis. Nous ne dissimulons pas d'argent sur une île des Caraïbes. Les sénateurs américains ne visent pas les Caraïbes, mais trois filiales d'Apple basées en Irlande. L'une d'elles gère les brevets du groupe. Elle n'a aucun salarié, mais a généré 30 milliards de dollars de bénéfices en 5 ans, imposés par Dublin au taux généreux de 2%. Un montage sophistiqué mais légal, ce qui complique les sanctions. Apple, mais aussi Amazon ou Google, les champions américains du net sont dans le collimateur, de Washington à Londres en passant par Paris. Mais les gouvernements se cassent les dents sur l'optimisation fiscale, impuissants devant l'inertie de certains pays comme le Luxembourg ou l'Irlande, qui profitent pleinement de leur taux d'imposition très avantageux pour séduire les majors de la planète.